Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Football Manager 2018 avec l'Olympique de Marseille. On est parti pour le match contre Rennes, après la trêve internationale. Alors, petite news, Mann a fait chier pour avoir un contrat. Il est à 50 000 par mois, je lui ai proposé 200 000, il a rompu les négociations directes. Proposer donc de quadrupler son salaire parce qu'il veut 400 000 et non pas 200 000 direct comme ça, alors qu'il n'est pas non plus au top cette saison. Donc il a demandé à partir, on lui a dit que non. J'attends de suivre. Là il est titulaire parce que Schaub était un petit peu plus fatigué. On est à 3 jours avant la Ligue des Champions contre Copenhague. Alors même si on est déjà qualifié en Ligue des Champions, certes, mais dans l'absolu, j'aimerais bien quand même. Qu'on puisse jouer cette première place à Man U, même s'il y a peu de chances qu'on l'ait, mais. Parce que Man U devrait battre Copenhague, mais on va jouer contre le Zénith. Puis après, on ira à United, hein, à Old Trafford, donc ça va être dur. Mais pourquoi pas. Bref, sinon, Rami à place d'un camarade très légèrement fatigué. Nissen à droite, enfin une équipe, somme toute, assez classique, et on va partir pour ce match. Alors, Rennes qui reste sur 3 victoires consécutives, quand même. Donc il va falloir se méfier, mine de rien. Parce qu'on pourrait se retrouver un petit peu potentiellement mis en difficulté par ce 4-2-3-1. On va voir ça. Alors. Tout, tout, tout. On va tenter ça. Ça n'a pas super bien marché. Mais on peut rattraper avec ça. J'ai encore beaucoup, beaucoup joué depuis le dernier enregistrement. Du coup, il y a eu des petites modifs, des petits changements de la manière dont je fais les choses. Ah oui, alors du coup, aussi, ça. Je place un tout petit peu plus haut maintenant. Hop, j'aime mieux. Voilà, c'est un petit détail, mais. Force de jouer, je prends d'autres habitudes. Je teste des petites choses, donc voilà. Alors on est parti, à ma vie, Payet, évidemment, 4-4-2, patient avec le contrôlé, et Lopez qui frappe au-dessus. Parce que on est à domicile, on doit faire le jeu. Surtout que Rennes n'est pas franchement venu pour le faire, selon le rapport d'avant-match. Attention, Vada. Attention dans la surface, bonne intervention de Rami. Lopez qui lance un contre. Denisman qui arrive à trouver Caleri. Caleri, il la frappe au-dessus. Pour les petits amicaux, pour gagner un peu de sous, Caleri a été excellent. 5 buts en 2 matchs. Donc, c'est à noter. J'espère qu'il va continuer sur cette forme-là. Allez, Payet, Lopez. Payet. Maxime Lopez de nouveau. Mann. On arrive à trouver Doria. Non, c'est dégagé au loin. Nissen qui récupère tranquillement. Il a une solution devant lui avec Tovin, mais qui est devancé. Attention, attention au contre là. Attention au contre. Ouï, 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 ouï. Heureusement, le centre est raté. Oh là là, oui. Et voilà. Une grosse erreur. Tovin qui n'attaque pas son ballon. Et derrière, ça fait 1-0. J'étais en train de me dire, en regardant le classement, que vraiment, c'était, ça faisait trop de défaites déjà, 4 défaites, et là, on n'est pas au marquage, là, Doria, en plus. Et là, malheureusement, bon, on va falloir se réveiller un petit peu, là. Allez, Payet, la tête de Doria, juste au-dessus, aïe, aïe, aïe. Bon, là, va falloir réussir quand même à trouver la faille assez rapidement. Allez, Mann. Pour un compte, peut-être avec Caleri. Caleri. Oh, il y a un coup à jouer. Hein. On est 4 contre 2. Allez, Caleri qui est passé. Qui va centrer. Oh, c'était un peu long. Mann qui arrive à redonner à ma vie. Le centre. Tovin au deuxième poteau. Aïe, 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 aïe. Et Caleri qui donne mal ce centre-là. C'est vraiment dommage. Et du coup, on voit le temps défiler. Et on ne se crée pas beaucoup d'occasions. Attention, Grenier la frappe à côté. Frappe de loin. Bon, on va essayer de les titiller un petit peu là parce que c'est pas la folie. Voilà, Doria, Rami, Lopez, Nissen. On fait d'abord tourner. Rami, on trouve Tovin.
Lopez. Gustavo. Oh, qui a bien trouvé Caleri là. Caleri, Mann. Ah, Mann, aïe 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 aïe. C'est pas un bon match, hein, Mann, hein, pour l'instant. Clairement pas. Allez, Mawasa. Ergota. Ergota, Mawasa. Ergota de nouveau, bien pris par Rami. Oh, la mauvaise relance de Rami. Oh là là, les erreurs individuelles. Comme contenant, on perd 3-2 sur des erreurs individuelles, mais terribles. Et là, c'est pareil, c'est des erreurs qui nous foutent dedans. C'est pas le niveau de... Hop, oh, bon, voilà. La volée de 20 mètres qui finit en pleine Lulu. Que dire de plus? Enfin, des 16 mètres peut-être. Ouais, non, 20 mètres, hein. 18-20 mètres en gros. Bon, bah voilà. Bon, 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 bon. Mais en même temps, ce corner, on le concède. Sur une action où on commet une grosse erreur individuelle encore, là, par Rami. Allez, Mann. Mann, il essaye de jouer tout seul. C'est en train de m'agacer, là. Bon, au moins, il se rattrape. Allez, Payet. Payet, Gustavo. Lopez. Payet. Mann. Oh, c'est bien fait, ça, Thauvin. Oh, là, 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 puis. Derrière, on a Koubek qui sort le match de sa vie, là. Et on n'est pas présent sur Argota et on va encore prendre un contre. Aïe, 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 aïe. C'est assez terrible, là, le résultat qui ne reflète pas spécialement le nombre de cases et tout. Et... C'est assez terrible. Techniquement, on va tenter de mettre un peu plus de mouvement. Allez. On va tenter ça juste pour mettre plus de mouvement. Essayer de mettre plus vite en difficulté la défense rennaise. Parce qu'on a deux buts à remonter là quand même. Oh là là, la mauvaise passe encore. Mais c'est pas vrai. C'est terrible ça. Hein. Allez, Doria. Rami. Lopez, la tête écartée là, ce serait bien, faut jouer un peu plus vite, heureusement qu'on a mis un tempo élevé, ça se voit pas beaucoup. Thauvin, Lopez, Thauvin de nouveau, avec Nissen, Lopez, Thauvin, allez on a trouvé le décalage, Gustavo la frappe, mais c'est au-dessus. Dommage, il avait le temps de contrôler, d'avancer un peu là, mais on s'est précipité. Bon, ce serait bien si on arrivait au moins à marquer rapidement. Mawasa qui prend un jaune. Allez, Thauvin. Lopez, Gustavo, on fait tourner. Mann, Caleri. Mann, de loin, contré. Lopez, Thauvin. Le centre de Thauvin, c'est contré. Lopez, Gustavo, pardon, qui récupère. Payet, il y a un bon dédoublement là avec Amavi. Amavi, le centre, c'est trop court. Deuxième chance. Le grenier repousse, Payet. Gustavo, on fait vraiment le siège maintenant de... Non, oh là là, c'est quoi cette passe, quoi? Sérieusement, on est complètement en train de passer à côté sur certains trucs. Allez, Base, Kirchhoff, Vadak est trouvé, Moubele. Faut peut-être mettre un peu plus la pression à ma vie, là, voilà. Doria, avec à ma vie, Gustavo, Payet. Payet, il a un peu de champ. Payet, avec Lopez... On a du champ, bien joué ça, avec Caleri, Thauvin, Thauvin, Thauvin qui centre, et le but de Mann, allez. C'est ça, on va encourager les joueurs, 2-1, c'est pas fini. On a des plus beaux mouvements depuis qu'on a mis passer dans l'espace et décrocher de vos postes. C'est un truc que j'ai trouvé, là je suis en D2 grec, et ça marche mieux quand je mets décrocher de mon poste. Alors que les mecs sont pas hyper créatifs en soi. Hein. Donc, allez, ça continue, Nissen, Lopez, Payet... Payet qui est pris, Thauvin, Mann, Gustavo, Caleri. Ah, la frappe qui passe à côté. On est sur une bonne dynamique. Payet est un peu fatigué. Mais il est bon. Il est bon. On va attendre un petit peu pour les changements. Allez. Ouais, bon, ça bouge plus beaucoup. On va mettre Cabella à la place de Payet. Alors,
Au milieu, c'est pas la folie. On n'a plus d'arrière-gauche remplaçant pour l'instant, tant que Rodriguez n'est pas revenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Caleri, c'est pas fou, on va faire rentrer Germain. Et on va mettre Cyprien à la place de Gustavo. Apporter du sang frais au milieu, on va tenter ça. Attention quand même à ne pas prendre le troisième, sinon on n'aurait pas l'air fin. Ouh, c'est pas passé loin. On a du mal d'un coup à se recréer des occasions. Ils font un changement. Nous, on va se porter à l'attaque. Allez. Oh, on n'arrive plus à se créer d'occasions. C'est assez terrible là. On n'y arrive plus. Ouais, bon, on se crée aucune occasion après quasiment après le deuxième but, donc après le but qu'on a marqué. Et du coup, une défaite, pas forcément méritée quand on voit le nombre d'occasions, mais défaite quand même, on n'a pas su cadrer. Ouais. Et ça sent pas bon quand même, hein. Ça sent pas bon. Parce que là, du coup, après la défaite contre Nantes, on était pourtant sur une bonne dynamique, mais... On va pas y aller par quatre chemins. 5 défaites en 14 journées, c'est juste ridicule. On n'est clairement pas sur un parcours qui peut nous permettre d'accrocher la Ligue des Champions pour l'instant. Il faudrait être à 28 points, là, à peu près. Pour être dans un bon rythme, donc pour l'instant on y est, mais alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, bah malheureusement, on va en rester là et il va falloir trouver pourquoi ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré ce résultat pas top, pas top. Moi sur ce, je vous dis vladadam à tous et à la prochaine!